Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 6 avril, ça fait quelques jours que je ne me suis pas adressé à vous, mais ce silence n'est pas synonyme d'inaction. Prenez, c'est que j'ai déposé au bureau du Sénat une demande de création de commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur la gestion, la calamiteuse gestion de cette épidémie de coronavirus par le gouvernement. On a tout entendu, surtout jusqu'à aujourd'hui, que les masques n'étaient pas nécessaires, qu'ils ne servaient à rien, que la France était prête, et que les masques, c'était d'ailleurs difficile à porter. On nous a promis des stocks, et puis aujourd'hui, eh bien, c'est le ministre de l'Intérieur qui demande aux Français qui possèdent des masques, eh bien, de les donner aux hôpitaux. Vous voyez à quel point ce gouvernement est pitoyable, il est incompétent, il n'y a eu aucune préparation à une crise que la ministre de la Santé avait annoncée à ses collègues dès le mois de janvier. Alors, il faut que la lumière soit faite, il faut que la vérité éclate. En tant qu'unité nationale, la vérité, elle, n'attend pas, elle peut être sue. Je crois que le peuple français est assez mature et exigeant et il veut connaître la vérité. Eh bien, cette commission d'enquête parlementaire doit permettre à cette vérité d'être sue par l'ensemble de nos compatriotes. Mercredi, je serai au Sénat à la séance de questions au gouvernement et j'interpellerai le Premier ministre à ce sujet. J'espère qu'il aura une réponse vraie à nous apporter cette fois. Voilà, je vous dis à bientôt et mon travail de parlementaire continue. C'est bien la moindre des choses que je puisse faire. C'est mon devoir et moi mon devoir, je l'accomplis.